la première impression que j'ai aujourd'hui, c'est cette motivation qu'on retrouve auprès de ces jeunes-là, cette motivation et cette créativité. Ils ont envie d'avancer, ils ont envie de créer, ils ont envie de montrer ce qu'ils savent faire. Ce qui m'a touché, c'est cette soif d'apprendre, de se développer, de donner et d'apprendre. Je suis ravi parce que je vais partir avec plein de choses. J'espère revenir très bientôt pour essayer de développer la filière Sud-Sud et comment développer la culture en Afrique pour raconter notre narratif africain. Ouh, j'avoue que je suis agréablement surpris. Je les trouve très créatifs, assez motivés et très impliqués. Et je trouve que ça, c'est vraiment important. C'est une cohorte avec beaucoup d'espoir. On voit quand même qu'il manque des infrastructures, on voit que il y a une jeunesse, il y a une envie forte. Ils sont ambitieux et une volonté. Et ça, ça me surprend parce que je peux aller dans des pays comme le Canada ou je peux aller en France ou en Suisse, tout ça. Et quelquefois, je me dis, avec tous les moyens qu'ils ont, il n'y a pas la passion. Tout à l'heure, j'entendais quelqu'un qui parlait de passion. C'est vrai que c'est ça que je trouve ici, c'est cette passion. Ils sont passionnés et pour moi, c'est déjà la base. Ils ont besoin d'un encadrement. Donc, un encadrement qui va leur permettre justement au-delà même de réaliser des rêves, de pouvoir s'inscrire justement dans cette dynamique de marché, dans cette dynamique de création et de mise en marché des produits qu'ils veulent développer eux. Donc je pense que la passion est l'un des moteurs, c'est de l'essence pour eux. Et ça, c'est très très important parce qu'ils vont faire les choses avec le cœur. Et s'ils ont de la technicité derrière, je pense qu'on peut s'attendre à avoir des résultats intéressants. Depuis que je suis arrivé au Burundi, ne serait-ce que le travail fait par les paysagistes, j'ai senti qu'il y avait de la créativité dans ce pays. On parle de droits de propriété intellectuelle, bien sûr, c'est toute cette propriété que les créateurs ont sur les œuvres qu'ils créent. Et souvent, on a tendance à l'oublier parce qu'on consomme tous tellement d'œuvres artistiques, on consomme de la musique, du théâtre, et on oublie que c'est une propriété de ces acteurs-là qui ont créé ces œuvres-là. Il y a bien une loi sur les droits d'auteur et les droits voisins. Le problème, c'est la mise en œuvre de cette loi-là. C'est la mise en œuvre de cette loi, mais c'est aussi l'organisme de gestion collective, donc celle qui va permettre d'aller récolter les redevances et d'aller les redonner à ceux qui ont créé justement ces œuvres-là. Donc c'est la répartition, la collecte et la répartition. La seule chose qu'on doit, bien sûr, qu'il y a des choses à mettre en place, il y a à donner tous les moyens à cet Office burundais des droits d'auteur de pouvoir travailler normalement. Donc que ce soit moi, que ce soit les bars, que ce soit tous les télés, les radios, il faudrait qu'elles commencent par payer. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, il y a un renouveau de cette Afrique et ces artistes d'ici doivent croire dans leur travail, dans leur créativité pour essayer d'ouvrir pour justement aller plus loin. Et il n'y a pas grand-chose, je peux en parler pendant des heures, mais c'est vraiment travailler sa pratique, que ce soit la danse, que ce soit l'architecte, que ce soit le designer, que ce soit le musicien. Si on ne travaille pas, on n'y arrive pas. Je pense que il faut qu'ils se fassent beaucoup plus connaître. Et il faut qu'ils intègrent aussi le fait que leur marché est large, ce n'est pas seulement le Burundi. Il y a beaucoup parmi eux qui pourraient toucher d'autres marchés, d'autres pays. Et je pense que le digital est un outil formidable qu'ils devraient utiliser aussi. Il y a ça. Et il y a pas mal de pistes qu'ils pourraient utiliser, pas toujours attendre les subventions. Comme dirait Youssoufa, être patient, c'est agir en attendant.
programme a été réfléchi pour apporter des outils. C'est pour doter ces entrepreneurs-là, c'est pour doter ces artistes, ces acteurs de la culture d'outils qui vont leur permettre justement d'évoluer dans un environnement, d'aller se positionner sur des marchés aujourd'hui dans les arènes de la culture. Pas simplement au Burundi, mais partout où ils peuvent. On a tous les acteurs des métiers autour du spectacle vivant, que ce soit des techniciens, des agents, des managers, que des artistes eux-mêmes qui peuvent bénéficier de ce programme-là en faisant en bénéficiant de toutes les formations sur les droits d'auteur, sur l'administration, et aussi ce volet sur l'accompagnement des entrepreneurs, parce que là, on forme des entreprises. Je trouve que moi, s'il y a 30 ans, j'avais un programme comme ça, ça m'aurait fait plaisir, parce que j'ai commencé sans ce programme-là. Donc, les outils qui sont en train de mettre en place, là, c'est justement intéressant, parce qu'ils leur apprennent à avoir une stratégie, à avoir une vision. Parce qu'avant, vous avez dit tout à l'heure, comment vivre un artiste. Oui, mais un artiste aussi, c'est aussi une vision, c'est aussi une stratégie, c'est aussi du marketing, c'est aussi du numérique, c'est tout ça. Donc, je pense que ce programme-là, il existe justement parce qu'il donne tous ces outils-là pour que les gens s'approprient. Il dit, ah, d'accord, je sais maintenant ce que je vais faire et comment je vais le faire. Donc, cette stratégie, on en a besoin et ce programme est là pour justement planter les graines, parce qu'un jour, peut-être, il n'y aura plus ce programme-là, mais peut-être que c'est eux la relève, eux qui vont continuer, après 3 ans, 4 ans, 5 ans, à transmettre ces visions, ces stratégies-là, ces outils. Ce projet, il est magnifique. Je pense que c'est un magnifique parcours. Ce n'est pas juste des choses one shot ou autre. C'est tout un parcours. Et ça les aide aussi à rencontrer d'autres personnes qui viennent d'autres pays qui ont d'autres réalités, des experts et autres. Donc évidemment, avec le parcours des formations, le coaching, le mentorat et autres, ça va leur ouvrir pas mal de portes. Et ça va les valoriser aussi. C'est surtout ça, parce qu'il y a une chose qu'on oublie souvent dans cet accompagnement. On n'accompagne pas que les projets, il faut accompagner la personne aussi qui porte le projet. Donc le PASAC, c'est un projet qui les valorise avant tout. Je suis agréablement surprise. La spécificité avec ceux-ci, c'est qu'ils vont vraiment dans tous les sens. Toutes les filières sont vraiment couvertes. Vous allez de la mode en passant par la musique, en arrivant à la 3D. Ils sont très intelligents, ils sont très proactifs, très collaboratifs et ils bossent beaucoup. Donc, j'y mets beaucoup d'espoir en tout cas. Donc, on veut voir des entreprises être créées, on veut voir des emplois. Il faut qu'ils arrivent à embaucher des gens et on veut voir du cash.